Bonjour Mathieu, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Mathieu, donc j'ai 37 ans, je viens d'un petit village qui s'appelle Quévy, qui se situe entre Cambrai et Valenciennes. Donc je suis éducateur sportif et préparateur physique, mais également instructeur de pilates. Je suis ici aujourd'hui pour tout simplement enrichir les connaissances, découvrir de nouvelles choses, et puis d'apprendre sans cesse, me remettre en question un petit peu. D'accord, est-ce que le fait d'avoir été formé dans d'autres organismes t'a permis non seulement aujourd'hui d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir comme tu dis tes connaissances, mais peut-être que tu as découvert des nouvelles manières de voir le pilates avec le matériel peut-être atypique que l'on propose dans nos formations? Alors c'est ce que j'ai vraiment apprécié durant ce stage, c'est outre la découverte du matériel qu'on nous a proposé durant cette journée, comme le rouleau, les élastiques, les petits ballons, les fluiballs, ouais. Les anneaux, etc. Donc c'était très enrichissant. Donc on a vu pas mal d'éducatifs, des options complémentaires, d'autres options d'exercices que je ne connaissais pas, donc qui va me permettre d'enrichir mes connaissances, mes compétences. Et par rapport à notre organisme de formation, je trouve que celle-ci est très complémentaire et surtout moderne. Parce que là, on a travaillé beaucoup sur les tissus, les fascias. C'est une formation, la première fois que j'ai entendu parler des automassages, alors que j'en pratiquais déjà de mon côté personnellement et puis au sein de mes coachés. Donc voilà, je suis très ravi d'avoir vu cette notion-là, des trigger points avec les étirements et donc en complément, donc les associations de travail du pilates tout simplement. Ok, parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui dans ce qu'on a pu te proposer, et que penses-tu des formations du coup online et on live qu'on peut proposer aussi avec toute cette panoplie de vidéos à votre disposition sur les plateformes, comme je l'ai dit, online et en live? Alors je trouve que c'est déjà une très bonne chose et c'est une force en même temps, parce que si on n'a pas la possibilité aujourd'hui de venir se former sur place, il y aura toujours ce support de formation pour continuer à s'entraîner, à pratiquer, à avoir des outils pédagogiques. Et puis concernant les formateurs, donc très accueillants, donc très souriants, très pédagogues. Et j'ai beaucoup appris, il y a des nouvelles choses qu'ils m'ont apporté. Je les remercie et ça m'a permis d'enrichir ma pratique sur la méthode Pilates. Ouais, bah super, je vois que tu t'es plus dans cette formation. On espère te voir dans des prochaines et on te passe tous une bonne journée. Merci, un grand merci à vous tous et merci pour l'accueil, et puis j'espère à très bientôt. Salut Mathieu, merci à toi.